Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, book haul du mois de septembre et comme il est assez conséquent, je ne vais pas plus parler de ça. On y va. Et on commence par les romans avec L'Empire des Femmes que j'ai déjà lu parce que j'ai pas pu résister. J'ai lu le tome 1 début du mois, mon copain m'a acheté le tome 2. Je l'ai lu et c'est incroyable, mais on n'est pas là pour parler de ça. J'en ai fait un blog lecture si ça vous intéresse, même si je vous conseille d'aller lire le tome 1. Logiquement. Résumé en gros, c'est les femmes qui sont au pouvoir et les hommes pas du tout, c'est vraiment des esclaves. Elles sont pas sur leur île, ils se battent à mort pour essayer d'enfanter quelqu'un, enfin bref, égalité et tout ça, on n'est pas là-bas. Un coup de cœur ultime. Mais on n'est pas pour l'instant. Je vous avoue que pour les trois derniers romans que j'ai achetés, j'avais pas vraiment envie de lire les résumés, du coup je vous mets tous les liens en barre d'infos. Moi je suis du genre à aimer lire des livres sans y connaître grand chose, il me suffit juste de quelques mots, même une couverture. Je pourrais être tentée par un livre, je vais juste dire ce que j'en sais et le pourquoi je l'ai acheté. On commence par Le Palais des Automae, écrit par Nina Varela et édité chez De Saxus. Bon, premièrement je l'ai acheté parce qu'il est en occasion et c'est le cas des deux prochains. C'est un tome 1, le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps. Pourquoi je l'ai acheté? Il m'a suffi d'une revue. La madame disait qu'il y avait de la vengeance, du suspense, du plot twist, enfin bref. Évidemment. Bon, je vais peut-être vous lire un petit peu. Conçu par les humains pour leur bon plaisir, les Automae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poignée de fer. C'est un peu le contexte. Ça a l'air vraiment pas mal, c'est peut-être des robots ou que sais-je. On verra bien. Il me donne vraiment envie, il me tente énormément. Le mois prochain, je pense que lui va y passer. Ensuite, et ça c'est deux gros belles briques, et c'est que des tomes 1. Oui, je sais pas, pas comme si j'avais des sagas à terminer et des premiers tomes aussi dans ma pile à lire, mais c'est en occasion, c'est pas ma faute. D'ailleurs, Le Palais de Stromae, il est à 14,20€. C'est cool. C'est une saga qui me faisait de l'œil. En fait, c'est ce genre de livre, je sais pas si vous comprenez. Tu sais pas trop de quoi ça parle, mais t'en entends tellement parler, tout le monde l'a lu, tout le monde en dit du bien, juste ça te donne envie. Parce que j'ai l'impression que c'est comme un classique, tu sais. En plus, ils sont gros, ils sont beaux, les couvertures sont belles, ils sont colorés. The Bonne Saison, de Samantha Shannon, édité chez De Saxus. Et ben, y a que des De Saxus, je crois, à part le premier. C'est une belle brique de 665 pages. Le résumé, je vais vous lire un petit paragraphe. De 1059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga Événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Angers que je n'ai pas commencé. Vraiment extraordinaire et palpitant. Ce livre évoque à la fois la tyrannie politique de George Orwell et la création de mythes de J.R.R. Tolkien. Ça a l'air trop bien. C'est pas une sorte de dystopie, ça se passe dans le futur déjà. Ça m'intéresse de fou. J'avais pas lu le résumé. Et bah, c'est super. Il m'a coûté 12,90€ et pour bah, l'état, franchement, il est nickel. Vraiment, j'adore les visuels. Je crois qu'il y a que... Enfin, il y a que... C'est déjà bien. 4 tomes sortis, je sais pas si c'est la fin ou quoi, mais il me donne archi envie celui-là. Je le découvre avec vous, genre le résumé, ça a l'air trop bien. Dernier roman, parce qu'en vrai, le plus gros du truc, c'est des mangas. Je me suis pris La Cité de Laiton, qui a été réédité en relais, si ça vous intéresse. Je l'ai acheté en occasion en brochet pour ma part à 12,90€. C'est une série comme, en vrai, celle-là, qui me donnait envie pour les mêmes raisons. C'est un peu plus oriental, je crois. Oui, Moyen-Orient. Une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. J'y connais rien. Et comme moi, les mythes, ça me fait peur, j'espère que je vais aimer. Moi, tout ce qui est mythologie de n'importe quel pays, j'ai du mal parce que j'y connais rien et des fois, j'ai peur d'être perdue. Bref, je vais faire confiance. Je vais vous lire le premier paragraphe. Dans les rues du Caire, du 15e siècle, non, 18e siècle, Nari est une jeune escroc au talent inégalé, lecture de la main, exorcisme et un mystère. Mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn. Elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Ça a l'air intéressant, je sais pas trop en fait. Enfin, dans le sens où ça me hype moins que celui-là. Celui-là, j'ai vraiment envie de lire, par contre, il a l'air incroyable. Mais c'est mystérieux. C'est écrit par S.A. Chakraborty. J'espère que j'ai bien dit le nom. Édité chez De Saxus et c'est vraiment très très beau. Les dorures sont un peu abîmées, je crois, ou peut-être c'est l'effet. Non, je crois que c'est abîmé. Mais c'est pas plus dérangeant que ça. La couverture est très belle. Passons au one shot.
Passons au watch-up. On a deux livres dans cette catégorie. Et on commence par un mangaka qui rentre très bien dans la saison là qui va venir. Et le mois d'octobre, Junji Ito. J'ai trouvé les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2 en occasion. Je suis trop contente. À 14,90€. Parce que les Junji Ito, c'est bien cher quand même. Du coup, si je peux gratter 5€, je vais pas dire non. Si vous connaissez pas Junji Ito, c'est un mangaka spécialisé dans l'horreur. Je pense que ça peut se voir. Mais vraiment, c'est d'une beauté. Ses couvertures sont vraiment belles. Et ses planches également. C'est assez particulier, mais moi, je suis très sensible à son visuel, son art. C'est vraiment beau. Je trouve pas que les scénarios, genre, je vais pas me taper la tête dessus. C'est vraiment sympa, en fait, à lire. Là, c'est des histoires courtes, en plus. Du coup, ça va être très sympa d'alterner petites histoires avec un roman ou manga. Bref. J'ai beaucoup aimé tome 1. J'ai adoré Tommy. Du coup, j'ai hâte de me lancer dans le tome 2. Et j'ai aussi Spiral à lire. Ça va être vraiment Junji Ito ce mois-ci. Mais vraiment, c'est trop beau. Et je trouve les visuels des personnages horrifiques très intéressants et pas mal inspirants. Du coup, voilà. Ensuite, et ça, c'est un souvenir de La Rochelle. En fait, à La Rochelle, j'aime beaucoup aller à la librairie Mille Sabords. Et les vendeurs là-bas, n'hésite pas à te parler, à te conseiller. Dès que t'as un livre dans la main, ils t'expliquent, etc. Et à un moment donné, mon copain tenait ce livre, My Broken Mariko, écrit par Waka Hirako et édité chez Kiun. Je l'ai lu en occasion à 7,50€. À ce que j'ai compris, c'est une histoire de vengeance, de meurtre, d'amour aussi. Mais on m'a surtout vendu ça comme quoi c'était une histoire vraiment très douloureuse. Du coup, je l'ai acheté parce que j'aime avoir le cœur brisé, évidemment. Il m'intrigue énormément. Les visuels sont mignons et la première page a l'air très drôle. Je vois pas comment ça peut partir en cacahuète. Petite page couleur, vraiment très sympathique. Passons au manga. Et j'ai une petite pile quand même, du coup on va commencer tout de suite par une petite duologie. Ça m'intriguait énormément, j'ai acheté ça, comment ça s'appelle déjà, Aboum Bapoum, à côté du JPR de Saint-Michel. C'est une librairie spécialisée dans le manga et la BD où il y a pas mal d'occasions, des lots avec des intégrales à l'intérieur. Alors faut pas comprendre, ok, mais je crois que c'est à force de dire du Shuzo Oshimi et d'aimer ce genre de mangaka là, genre quand j'ai lu le titre ça m'a tout de suite attiré. Je voudrais être tuée par une lycéenne de Usamaru Furuya, édité chez Delcourt Tonkam. Je pense que le résumé est un peu écrit sur le titre. Je sais pas, ça m'a intriguée. J'ai pas pu voir les planches parce que c'était emballé, mais à regarder comme ça, c'est plutôt joli. J'ai hâte, mais ça a l'air bien glauque. Mais j'aime bien. Enfin, bref. J'ai juste hâte de le commencer. En plus, c'est deux tomes et on aime quand c'est court. Je vais vous présenter maintenant une nouvelle saga que je vais commencer. Avant de vous parler de mes suites de séries, je me suis pris Silence Voice. Il me manquera un tome ou deux, je crois. Je sais plus. J'ai eu le premier et le deuxième dans un lot où il y avait écrit un manga, acheté un manga gratuit. Je ne vais pas dire non. Et le reste, ce sont des occasions, tous à 5,20€. Je n'ai pas lu, mais je fais bizarrement confiance à ce manga. Je sais pas, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais il me fait très penser à Blue Flag. Je crois que ça parle d'une histoire, lui il est un peu, c'est pas un tyran, mais genre vous voyez, il embête un peu les gens. Et elle, je crois qu'elle est muette et ça m'a tout de suite intriguée. Ça a l'air d'être très touchant et vu les critiques que j'ai vues dessus et la note qui est assez positive, j'ai vraiment hâte de me lancer parce que je pense qu'une histoire doudou après toutes ces lectures un peu, ça pourrait me faire du bien de me poser avec une histoire toute douce, avec quelques complications peut-être, je l'espère, quelques petits sujets intéressants, mais j'y crois fort avec cette série. Du coup voilà, j'ai même pas hésité, j'ai juste pris parce que c'est une occasion. Les occasions, ça ne se manque pas. Ensuite, je me suis pris, et mon copain aussi m'a acheté quelques tomes de Destruction. Écrit par évidemment Inuyasha no le GOAT, édité chez Kana. Les couvertures sont vraiment jolies. J'adore les couvertures. J'ai pas eu d'occasion pour ces mangas là, mais j'avais vraiment envie de commencer, voire recommencer, parce que je vous avoue que j'ai un peu oublié ce qui se passe à l'intérieur. Je vais me refaire les 4 tomes avant d'enchaîner, mais je fais confiance à Inuyasha no. Du coup j'ai pas peur, et puis mon copain aussi avait envie de lire, du coup on se les a achetés. Résumé du tome 1, ça parle à Tokyo, il y a un vaisseau, un ovni, qui s'est posé sur Tokyo et on a cru que c'était la fin du monde, mais non. Au final, il est toujours là. Ça parle de politique, d'amitié aussi. Bref, je vais continuer, enfin recommencer et puis l'enchaîner avant que, je perde encore la mémoire. Et on termine avec deux derniers mangas, la suite de The One, parce que j'ai eu en occasion, à 5€, toujours chez Aboum Bapoum, The One qui est un manga qui parle de mannequinat. Je l'avais commencé il y a très très longtemps, du coup évidemment, il va falloir que je recommence. Je sais qu'il n'y a pas 40 000 tomes non plus, et que j'ai vraiment aimé les 4 premiers que j'avais. Là c'est le tome 5 et le tome 6. Le visuel c'est pas vraiment mon genre, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment beau, et puis ça parle de mannequinat, je suis photographe, c'est un petit lien. Du coup voilà, il y a aussi une histoire d'amour, blablabla, bref.
Et je crois que c'est des jumeaux, les mecs, je crois. Bref, il y a une histoire de jumeaux à l'intérieur, ou de frères, bref. En tout cas, on clôture ce haul avec ça. Dis-moi ce que toi, tu as acheté en commentaire pour bien débuter cette saison d'automne. Ça me ferait très très plaisir de te lire. Si tu as lu aussi un de ces romans, mangas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Sarah, je suis photographe sur Paris. J'aime lire des livres en mangeant des feuilles. On se laisse là, moi je te souhaite une très très bonne journée. Et on se retrouve à une nouvelle vidéo. Bye.